Bonjour à tous et bienvenue à l'événement TRAC. Je me présente, je m'appelle Rosalie Guy et je suis étudiante de première année en arts, lettres et communication. C'est avec plaisir que j'ai la chance d'animer avec ma collègue. Bonjour à vous, je m'appelle Émilie Lapierre, je suis également étudiante de première année en arts, lettres et communication au cégep de Saint-Félicien. Ce soir, nous aurons la chance de découvrir des talents des cégeps provenant des régions de l'Est du Québec. Cet événement a un caractère interactif. En effet, vous les spectateurs provenant de différentes régions pourrez voter pour votre numéro coup de cœur. Oui, restez à l'écoute jusqu'à la fin du spectacle. Après le dernier numéro diffusé, nous vous expliquerons la marche à suivre pour le vote du public. Deux prix coup de cœur d'une valeur de 550 $ chacun seront remis aux deux numéros sélectionnés. Et c'est vous, les spectateurs à la maison, qui aurez la chance de les choisir. Donc une belle soirée en perspective, remplie de découvertes et un peu de suspense. Afin de remercier l'ensemble des spectateurs qui assisteront à cet événement et de souligner la fierté du cégep de Saint-Félicien d'en être le diffuseur, vous entendrez maintenant Mme Sylvie Prescott, directrice générale du cégep de Saint-Félicien. Bonsoir, chères étudiantes et étudiants. Bonsoir, invités du public. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'événement TRAC. TRAC pour Talents révélés au cégep. Un spectacle interactif mettant à l'avant-plan les arts de la scène au niveau collégial. Notre cégep a à cœur de soutenir des projets innovants créés par les étudiants et destinés à la communauté collégiale. C'est toujours un plaisir également de souligner les initiatives de nos étudiants et de les voir progresser tout au long de la session. Malgré la situation actuelle que nous vivons, il nous apparaît primordial de continuer à nourrir le développement de nos étudiants et à entretenir leur soif d'accomplissement. TRAC est le fruit du travail des étudiants finissants en technique de tourisme. Ce projet permet de développer leurs compétences en gestion de développement de projets et de produits touristiques. Alors, merci, chers étudiants, de nous faire vivre cette belle soirée. TRAC est aussi une vitrine exceptionnelle pour une trentaine de jeunes artistes partout au Québec. Et nous sommes très fiers de soutenir ces jeunes dans leur démarche artistique pour les faire briller et faire en sorte de se révéler au public. Nous accueillons les étudiants de partout au Québec, soit de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, restez avec moi, encouragez-les et profitez de ce beau spectacle. Bonjour, chef. Salut, chef. Avons-nous tous les ingrédients? Oui, et ça risque d'être vraiment bon. Alors, mes très chers amis des TRAC, des talents révélés au cégep, voici le menu à la carte et le menu à la TRAC que nous vous offrons. Ce sont des produits qui proviennent de 11 cégeps. Ce sont des produits du terroir collégial qui ont tous d'ailleurs gagné des prix. De quoi allons-nous nous régaler? D'un succulent éclair de Jonquière, des délices diaphanes de Matane, de becs sucrés de Bécomo, de délicieux quatre quarts qu'on badigeonne de Carleton, des chocolatines de Chicoutimi, des entrechats d'Alma, des doux roux-doudous de Rivière-du-Loup, d'une mousse qui frémit de Rimouski, des mochas délicats de la Matapédia, d'une fine mousseline des Maritimes, et des fraises saucées dans le chocolat pour Saint-Félicien. Des fraises saucées dans le chocolat. C'est parce qu'on avait dit qu'il fallait que ça rime. Comment ça? Ben, un éclair de Jonquière, des mochas de la Matapédia. Ça rime? OK. Pis? Ben, des fraises saucées dans le chocolat pour Saint-Félicien, ça rime pas. Ah, ben, moi, j'aime ça, puis c'est moi qui décide, là, c'est pas grave. Nous nous trouvons actuellement devant le cégep de Saint-Félicien. Notre cégep à nous deux et notre transport nous attend. Nous nous apprêtons à faire une petite saucette dans les environs. Oui, étant donné que les numéros que nous allons vous présenter ne pouvaient pas tous se déplacer à Saint-Félicien pour l'enregistrement, nous avons décidé de leur faire visiter notre coin de pays. Et nous sommes prêtes à partir. Donc toi, mon ami, étudiant ou étudiante d'un cégep ami, tu verras ce que tu aurais vu si tu étais venu. On te fera parvenir, durant tout le long du spectacle, quelques cartes postales du lac Saint-Jean. En fait, ce seront des tracts postales, des images, qui seront diffusées tout au long de la présentation de tracts de plusieurs lieux d'intérêt aux alentours de Saint-Félicien. On va se rendre compte aussi que les régions respectives représentées dans la diffusion de ce spectacle ont des points de ressemblance avec notre environnement à nous. Par exemple, le premier numéro vient du cégep de la Gaspésie des îles du campus de Carleton-sur-Mer. Carleton-sur-Mer, c'est beau, c'est poétique. Nous, on est proche du lac Saint-Jean, que certains appellent une mer intérieure. La mer est comme un miroir sur lequel peuvent se refléter nos pensées. Voici donc le reflet des pensées de Simone Fugère, autrice, compositrice, interprète du campus de Carleton-sur-Mer. Je
déjà que je suis seule chez nous, comme tous les étudiants, à faire la même chose à chaque jour, étudier. Et récemment, j'ai réalisé toute mon anxiété, tous mes sauts d'humeur, ma mauvaise attitude sont liés à un seul et même facteur. Le fait d'être toujours toute seule. Et on fait de notre mieux pour se voir dehors et de loin, mais c'est jamais assez. L'anxiété qu'on vit face au cégep, face à notre futur, on n'en parle pas assez. Alors j'ai l'impression de courir un marathon depuis un an, avec personne à mes côtés. D'habitude, on aurait pu s'entraîner en groupe, mais là, toutes les étapes du parcours se font dans la solitude. Avant, entre nos cours, on pouvait jaser. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est se texter. Mais c'est jamais pareil que lâcher nos écrans et relâcher. Les jours se suivent et se répètent, comme les harmonies que je vais vous chanter. Troisième année, je carbure à l'anxiété. Je veux les meilleures notes possibles dans des deadlines de débiles. Dans ma course à toute allure, j'ai peur de frapper un mur. Le nez creux dans mes cahiers, j'oublie même de respirer. De rire avec mes frères et de faire une colle à mon père. Mais là, l'examen est demain et j'ai l'impression que je sais rien. Je veux terminer sans couler, sans stresser, sans pleurer. Je veux sortir du trou que j'ai creusé. Je vais pas laisser l'anxiété. C'est dans le marathon de la vie. Dans le marathon de la vie. Première question, mon nom, je l'ai presque oublié. Je dois pas capoter, je me suis entraînée. Je devrais pouvoir le faire. Je lis pas les questions à l'envers. Je regarde autour, mes amis trouvent ça lourd. Nos regards sont empathiques, comme ceux de coureurs sympathiques. Je défie le chronomètre, course contre la montre, faut pas que j'arrête. Je vais terminer sans couler, sans stresser, sans pleurer. Je vais sortir du trou que j'ai creusé. Je vais pas laisser l'anxiété me dépasser dans le marathon de la vie. Dans le marathon de la vie. Je termine la 42e question. Des ampoules dans ma tête. Sur mes mains, sur mes pieds. J'ai enfin terminé de marathonner. Contrairement à une compétition, le prof ne m'offre pas de melon. À la place, je reçois très, très peu d'attention. Mais à suivre, car dans une semaine, j'aurai ma réponse, on saura si j'ai bien couru.
ou non. Dans le marathon de la vie, dans le marathon de la vie, dans le marathon de la vie, dans le marathon de la vie. Et oui, les amis, si vous passez par Saint-Félicien, vous devez venir voir notre jardin zoologique. Nous sommes aux sauvages de Saint-Félicien. Pour s'y rendre, nous avons suivi les traces des orignaux, les sentiers du carcajou, les traces des ours polaires et les flèches du lièvre dans la neige. Les flèches du lièvre dans la neige. Ben oui, avec ses pattes, là. OK, mettons... Nous sommes maintenant au point d'observation des ours polaires. Le zoo sauvage de Saint-Félicien offre à leurs visiteurs plusieurs points d'observation. Moi, j'aime particulièrement regarder les castors. Le zoo sauvage en héberge une communauté. Sais-tu comment on dit le mot castor en langue Micmac? Non. J'ai bien fait mes recherches. Oh, j'en doute pas. En langue autochtone Micmac, le mot castor est le mot Matane. Matane. Comme Matane, la ville de Matane. Ben oui. Ah! Savais-tu là, que le castor il est super intelligent et créatif? Il est toujours en train de montrer ses talents. Tout comme les étudiants que nous présentons ce soir. Mesdames et messieurs du Cégep de Matane, dans la catégorie chant, musique, création, voici Elisabeth Paradis. Ah oh ben, salut, je vous avais pas vu. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth. Pour ceux qui me connaissent aussi, en fait, là. Puis, pour ceux qui le savent, on est en pandémie, et oui. Donc, maintenant, ça fait un an que je peux plus prendre ma maman dans mes bras. Puis ça me fait de la peine un peu. Fait que pour la fête des mères, l'an passé, j'ai décidé d'y écrire une chanson juste pour elle. Mais c'est l'ode aux mamans, et particulièrement la mienne. Ce sera pas long, je vais prendre ma guitare, c'est un petit peu dur à prendre. Merci. Donc, voici l'ode aux mamans, particulièrement la mienne. L'axe de nos galaxies, on fait de toi ma maman préférée. Larmes, pansements décollés, malgré les tracas, t'es là à mes côtés. Et je t'aime, les rires amplifiés, ton sourire, on t'aime la tête aux pieds, malgré nos défauts. On sait que c'est pas toujours beau, mais tu fais de ton mieux, on est trop chanceux, tu nous encourages, malgré les naufrages, on te le dit pas souvent, hein. Mais merci maman. Tes mots, quand je suis trop loin, me font respirer, me font infiniment bien. Je suis fière d'être ton héritière, de ta bonne humeur, tu m'apportes tellement de bonheur. Les je t'aime, les rires amplifiés, ton sourire, on t'aime la tête aux pieds, malgré nos défauts. On sait que c'est pas toujours beau, mais tu fais de ton mieux. On est trop chanceux, tu nous encourages malgré les naufrages. On te le dit pas souvent, hein. Mais merci maman. Je t'aime, les rires amplifiés, ton sourire. On t'aime la tête aux pieds malgré nos défauts. On sait que c'est pas toujours beau, mais tu fais ton mieux. On est trop chanceux, tu nous encourages malgré les naufrages. On te le dit pas souvent, hein, mais on t'aime infiniment. Bon, maintenant, allez appeler vos mères puis dites-leur que vous les aimez. Merci. Désolée pour ça.
ce moment malaisant. Donc, la prochaine chanson, bon, vous devez savoir qu'à Matane, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'imaginez en temps de pandémie, tout ce que j'avais à faire, c'était marcher sur le bord de l'eau. Fait qu'un jour, j'ai marché sur le bord de l'eau, ben oui, puis il y a comme eu une vague d'inspiration, un raz de marée, là, puis genre, j'ai composé une chanson, fait que... voici ma petite chanson à propos de Matane. Un, deux, trois, quatre. Fleuve qui tremble, qui semble avoir le mal de mer. De quoi t'as de l'air quand t'es pas aimé? Ça fait chier, mais l'hiver va passer. Feuille qui tombe, qui trompe, le cessant d'hier. À quoi ça sert de juste continuer à chercher un été? La pluie remontera les nuages, collant les parois de mon visage. Il soufflera au vent qu'il connaîtra le printemps, mais l'automne, chaque feuille son moment. Voilou, ce qui nous restait une chanson. Dans le fond, cette chanson-là, je l'ai composée pour tous mes amis étudiants du cégep et de l'université qui sont pognés à distance depuis plus d'un an maintenant. Donc, voici pour tous mes étudiants. OK. 1, 2, 3, 4, j'ai perdu la traque, je suis comme Kanye West, mais moi j'ai pas de cash. Je plais mes amis, j'ai pas de sommeil aussi. Carpe diem, moi j'ai gâché ma vie. J'ai pas de caméra, mon micro marche pas, j'ai pas de connexion, je répondrai pas. J'ai pas écouté, je t'occupais à pleurer. Mes yeux sont cernés, je les vois toucher mon nez. Accro au café, et même pas dans mon brain. Pas dans mon brain, je vois les levers du soleil. J'ai pas couché, et je veux sortir, mais faut rester. Et je veux les fleurs du sommeil, je dois me concentrer. Et dans quoi je me suis embarquée, mes yeux fermes, je vais chavirer. Netflix pour pas m'aider, ma connexion est limitée. Je sais plus compter, je suis débordée, mais SNDK pour moi c'est du passé. Je follow le flow, mais j'ai peur de l'eau. Je reste de noyant, joue à Marco Polo. Oui, je sais cuisiner, je me fais à manger. T'inquiète pas, maman, ramène pour déjeuner. Je rêve de dormir, je sais pas quoi devenir. Je suis comme Kanye West, mais moi j'ai pas d'avenir. Accro au café, et pas dans mon brain, pas dans mon brain. Je vois les levers du soleil, je peux coucher, et je veux sortir, mais faut rester. Et je veux les fleurs du sommeil, je vais me concentrer. Mais dans quoi je me suis embarquée, mes yeux fermes, je vais chavirer. Netflix pourra pas m'aider, ma connexion est limitée. Mais dans quoi je me suis embarquée, mon diplôme mec, je l'ai mérité. YouTube, mon partner préféré, ma connexion est limitée. DJ T-Lex in my time, yeah, yo.
OK, bye, je vous aime. Restez en santé, prenez soin de vous. Pas très loin du cégep de Saint-Félicien se trouve le village historique de Vagelbert. Il s'agit d'un village, comme plusieurs villes et villages du Québec, fondé par une compagnie pour y installer une usine et y loger des travailleurs. Nous nous trouvons actuellement devant la pulperie, la vieille usine de Vagelbert qui a conservé plusieurs pièces de machinerie qui nous montrent comment l'industrie s'est développée au tournant du 20e siècle. J'ai vu à l'intérieur une très grande structure de forme circulaire avec des palettes à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est une turbine électrique, puis ça fournit l'électricité à l'usine et au village. Comment ça marche? Bien, juste à côté de l'usine, il y a une grande chute. Ils ont installé un tuyau en haut, donc l'eau descend dans le tuyau avec pression, ça faisait tourner la turbine, puis ça produisait du courant. Pareil comme à Baie-Comeau. Ah oui? Baie-Comeau a été fondée suite à la construction d'une usine pour faire du papier, comme à Vagelbert. Aussi, une turbine électrique a été installée, comme à Vagelbert. Oui, seulement les habitants de Vagelbert ont dû abandonner le village quand l'usine est fermée. C'est l'histoire que Vagelbert nous raconte. Il suffit de venir faire un tour. Hey, j'ai une idée. On pourrait improviser le rap. Un rap de Vagelbert. Ça ressemble à... Quand je pense aux enfants de Vagelbert. J'ai le cœur qui tourne comme une turbine. Branché sur des bobines. Donne le courant. Es-tu au courant? Je connais un rappeur qui se débrouille pas mal mieux que nous. Il est du cégep de Baie-Comeau. Il a un nom de rappeur qui fait des arcs électriques. Il s'appelle Daz D, donc dans la catégorie chant création, voici Mathias Borel. Bonsoir, moi c'est Daz D, je suis un étudiant lambda de dernière année. Je suis ici pour vous présenter deux créations. C'est du rap, ça vient du cœur, ça parle pas de ma vie, mais de ce que je vois et de ce que je ressens. Je suis pas personne pour donner des impressions, des commandements. Je suis juste là pour... lâcher des conclusions à ma façon. J'arrive à l'heure, maître du temps et rappeur, étudiant et glandeur, globe-trotteur dans le viseur. La trotteuse me dit que l'indica est troqué contre un texte sulfureux. Se voudrait pour choquer, mais bon là faut dire que vous pouvez vous moquer, mais je me dois de préciser que j'ai un côté sauvage comme Mononoke. Pas besoin d'être habillé d'un bonhomme qui dans la rue on chape de trave comme un homme en kilt. T'es nul et ambitieux, y'a un problème dans le kit. Émeute des gens vicieux, c'est pas le combo strike. Un pet qui dit mieux pour lancer un kill strict. C'est pas grave s'il est pas fini en arrivant au mic. En arrivant au mic. C'est pas grave s'il est pas fini en arrivant au mic. En arrivant au mic. C'est pas un truc pour le style ou être dynamique. Ça transforme juste mes paroles en dynamite. Une belle réforme, il m'a dit l'ami. Ou un bel effort vers la tyrannie. La belle et le mort, c'est ce qui arrive quand les différents sont si visibles et par équivalence. Trois punchs, c'est six missiles. Et contre leur manigance, aucune loi n'est utile. On vous laisse dans l'ignorance des cris des victimes. Je dénonce avec assurance un message dans mes rimes. Mais il ne faut pas me juger, moi, mes témoignages que je délivre. Un faux pas est juré que la rage me dirige. Un flottard est jumelé à la voix de la justice. Depuis Mino, je peux pas supporter l'injustice. Et y'a rien de rigolo à se moquer des plus petits. Malheureusement pour eux, le plus dur c'est le pupitre. L'enfance, ce temps où la violence n'est que trop subtile. Faut en parler plus souvent, bien que trop se mutile. Il dit la vérité, mais vous le verrez dans 10 piges. Si le message est pas passé, je continuerai pour 10 disques. Je ne tairai aucun passage, même pour 10 000. La politique n'est qu'une façade, je le sais depuis l'an 2000. Répugnante zik que l'on a gardé comme hymne. Violenté risque de relancer un passé de conneries. Devant les grilles, on va s'entasser, promis pour régler nos problèmes d'égalité sans rire. Regarde donc l'humanité s'en venir au bout des ressources que l'on peut obtenir. On réglera pas ce problème en 100 ans, il faut bien se le dire, pas seulement en chantant. On réglera pas ce problème en 100 ans, il faut bien se le dire, pas seulement en chantant. Pas besoin de compter jusqu'à 10, ni à te raconter ce qui arrive. Lâche le joint, tu t'endors fils, fin de couplet tu figes, rigor mortis. Fin de couplet tu figes, rigor mortis.
Le changement se fait pas dans la finesse. Et c'est comme quand on dégage son altesse. Je prends le château et je descends la herse. Y'a pas de bro que je laisse dans la hesse. Je fais que de parler, je suis un homme de parole. Et tu me fais marrer à énumérer tes bagnoles. La nuit tu fais pleurer et tu pues l'agneau. Faux gangster, ton vrai blase c'est l'agneau. Je m'invente pas une vie car ça c'est idiot. J'ai eu de la chance comparé à d'autres. Je m'en suis rendu compte quand j'étais minot. Depuis je me suis juré d'aider les nôtres. Rien à battre de finir en apôtre. Je laisserai pas de marque car je veux laisser sa propre. Je veux pas de cam, si tu forces bah c'est la porte. Tu comprends pas, ça va pas changer la donne. Pas la raquette qui fait la victoire à Wimbledon. Je peux pas traquer tes points là, oui je te le donne. Mais si je dois me répéter encore une fois, oui je te cogne. Être con chez toi c'est naturel. Et donc c'est moi qui dois t'endurer. Entre toi et moi, un fossé culturel. Et une fois au fond, je me dois t'enterrer. M'écouter c'est dans tes intérêts. Faire de l'oseille c'est ce qui les intéresse. Et aussi mettre la daronne à l'abri. Acheter une bagnole stylo D. Mais ils savent plus se servir d'un stylo Bic. J'suis dans le club, le repère. Je répare eux, ils repayent. Un détail, moi j'suis déter. Un pétard, c'est une merveille. J'suis dans le club, le repère. Je répare eux, ils repayent. Un détail, moi j'suis déter. J'suis déter. J'ai tout ce que je mérite. J'ai beaucoup trop de chance. Et tout ce que j'écris prend beaucoup trop d'encre. Pour tout ce que je méprise, car c'est beaucoup trop grand. Pour tout ce que j'exprime, ça fait beaucoup trop de vent. Les rêves de mon époque, ils me restent dans la manche. C'est ma génération qu'on est, scroc. Je prends le dilemme, je le tranche. Je coupe pas la poire en deux, moi je fous la gloire en feu. Je fais partie de la résistance comme Jean Moulin en 42. Pour t'imager le poids des mots, t'as un bâton, moi un pylône. Si je me permets de nommer un icône, c'est que le problème il est maxi gros. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. On laisse parler les pires tocards à la télé, c'est pire trop tard. Les DVD sont dans le placard, être gay pourquoi pas plus. Tard. L'homme accepte pas la différence. Faire fuir la vérité en diligence. Tous des autres shit y repensent. D'être de la honte est immense. Peut-être que la montre est gagnante dans cette course poignante. Je sais l'image est parlante. La médaille c'est de l'amiante. Vois-le comme un revers de la nature. Qu'est-ce que tu as à faire si elle te met à la hure. Je sais que le travail sera dur. Mais il faut ça pour clair soit pur. Mais il faut ça pour clair soit pur. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. Non mais quelle génération de merde, non mais quelle génération de brêle. J'entends ça dans les deux sens, par l'ancienne ou bien la nouvelle. On avait déjà assez de problèmes, il a fallu qu'on s'en rajoute depuis 50 ans. Le vase est plein et c'est ton fils qui prend sa goutte. Certains cherchent la bouffe à la loupe, d'autres boivent de l'or à la louche. Devenu pro dans l'entourloupe, mais c'est la sorcière qu'à la fourche. Allez, à vous, t'as la frousse, plus d'options, plus de ressources. Ah si, pardon, t'as la course. Je te le dis, bienvenue dans la brousse. Je te le dis, bienvenue dans la brousse. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. L'histoire se lance, l'histoire est écrite, d'abord je pense, ensuite je m'écris. Ni dieu ni maître, ni pieu ni traître, tour du monde sur petite mobilette. Allez, que le rap va mal, je dirais pas que je fume que dalle. Je dirais pas que je vends à balle et je dirais pas que j'ai les crocs d'un squal. Je dirais plutôt que j'ai les crocs d'un soir. Mon but est de pas serrer de ma salle, ni d'essayer de m'asseoir sur les lois ou ce qui s'apparente au pomo d'un sabre. Ils se prennent pour les loups dans la bergerie, mais sous la peau de mouton,
le berger rit, le doute se craint que la porte fait clic. À 30 ou à 5, il n'y aura pas de réplique. La vie, c'est pas une pièce de théâtre. Faut pas éduquer vos fils aux vidéos réac, car s'ils font de la merde, c'est moi le chef de rédac. Non, je déconne, c'est pas pour moi, cette société, je m'en bats les noix. Je sais pas si t'as fait ton choix, mais la forêt, elle me tend les bras. Je rêve d'une vie sans état d'âme, sœur. Je sais que toi, t'as le seum. Bonne carrière dans ton bureau avec ta seule. Dans le beau village historique de Vagelbert. Mais cette fois-ci, tout près de la chute. Le paysage est magnifique. La pulperie est juste à côté, dont les machines à l'intérieur servaient à produire l'électricité. Le nom de la rivière est Wiatchouan. Le village historique de Vagelbert est ouvert l'hiver. Ça vaut le coup de venir faire une petite promenade à pied, en raquette ou même en ski. Tu sais que la chute alimente une mini-centrale électrique? Ça me fait penser à la chute de Rivière-du-Loup, qui contribue elle aussi à produire de l'électricité. Rivière-du-Loup et Vagelbert sont toutes les deux munies d'un beau paysage naturel. Moi, à chaque fois que je vois une chute, je me demande depuis combien de temps elle coule. Pour moi, une chute, avec l'eau qui gruge la roche, l'érosion, ça me fait penser au temps qui passe et à la vie qui s'effrite. La fragilité de la vie, c'est l'un des thèmes abordés par une étudiante du cégep de Rivière-du-Loup. Dans la catégorie théâtre-interprétation, voici Camille Dubé. Ma maman pleure souvent. Puis mon papa à moi, il crie tout le temps. Mais si jamais je le dis, promettez-moi de garder le secret. Ben mon papa à moi, des fois il est méchant avec maman. Elle me dit que c'est rien, que c'est des choses de grand. Je le vois bien. Je suis sûre qu'elle est malheureuse parce que mon père la traite tout le temps de niaiseuse. C'est papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. T'es juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur, il va te faire payer ses bleus. Ma mère qui sauve dans son beau de Valium. Remarque qu'il peut lui en vouloir, c'est qu'il ferait pas pareil. Deux, trois pilules, pis quelque chose à boire. Allez, simple, au pays des merveilles. En attendant que tu reviennes avec des fleurs, pis tes astis de promesses. Elle achète la paix, fait semblant te croire. C'est vrai que t'es fort pareil. C'est papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. Juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur qui va te faire payer ses bleus. Tu te prends pour un dur. Tu penses que t'es grand quand t'as traîné par les cheveux dans l'appartement. Tu penses que t'es fort. Tu te penses imposant quand tu chiffonnes le corps de la mère de tes enfants. T'es sûr qu'elle mérite tes coups de poing, tes claques et toutes les insultes que tu lui craches d'en face. Les commères disent qu'elle leur demande parce que sa muselière est transparente. Maintenant que j'ai vieilli, j'ai appris et que j'ai compris. Tu nous aimes pas, t'es juste confortable. Puis tu te sers ta femme comme d'une poupée gonflable. Un jour je vais être grande comme un gratte-ciel. Je vais pouvoir prendre soin d'elle. Ça fait trop longtemps que tu la crées à terre. Ça fait trop longtemps que tu lui demandes de se taire. T'es pas le seul papa à être méchant. Qu'il y a même
même pire. Y'a des mamans qui sont pas parties à temps. Faut s'accroupir pour leur donner des fleurs, c'est pas rare. Moi je veux pas vieillir si c'est ça qu'on appelle des trucs de grand. Des trucs de grand. Nous sommes actuellement sur le village sur glace de Saint-Félicien. Le village sur glace porte le nom de village boréal. Le village est situé sur les glaces de la rivière Ashuapmushuan. On y retrouve des anneaux de marche et de patinage. La fin de semaine, c'est vraiment animé ici. Il y a plein d'anneaux de glace et de patineurs extérieurs au Québec. C'est un superbe endroit pour la famille, les enfants, les couples et même les célibataires. Tu penses que ce serait un bon endroit pour rencontrer quelqu'un? Ben, pourquoi pas? C'est vrai que patiner à deux, c'est comme genre romantique. Ben, en tout cas, ça met du rouge sur les joues. Je te le dis, Émilie, bien des garçons et des filles de notre âge viennent ici pour prendre de l'air. Oui, c'est vrai, c'est le bonheur quand on connaît quelqu'un. Mais tu sais, quand on est toute seule... T'es toute seule? Moi, non, mais ça arrive. Tu sais, la chanson là, de Françoise Hardy, dit? Oui, oui, c'est l'une des chansons chantées par la représentante du Cégep de Saint-Félicien dans la catégorie chant, musique, création et interprétation. Nous sommes heureuses de vous présenter Éliane Dallaire. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je tiens à préciser que je suis très contente d'être là ce soir pour la première édition de TRAC. Et j'aimerais saluer ma famille de Thetford Mines parce que je ne suis pas du lac Saint-Jean. Donc, je vous salue. Je salue les autres aussi, là. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Ou quand donc pour moi brillera le soleil? Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Rires.
encore. Je te vois dans mon miroir. Tu m'as jeté un sort. Une autre nuit à compter les étoiles sans lui. Ai-je des remords? Tu danses avec les lucioles pendant que moi je gondole. Tu es partout. Je suis sauvée par la lune. Tu reviens et puis tu repars pour accentuer ton départ. Je broderai tes mains sur mon corps avec un fil en or. Quand sortiras-tu de mes rêves? Pour que je puisse enfin respirer de mon gré, on ne sera pas nous. Donc, ma dernière chanson était une composition. Elle s'appelle « Une nuit ». Et la prochaine chanson que je vais jouer s'appelle « La lavande de pomme ». Ta peau n'est pas étanche, elle coule de désir, de trop. Longues absences et d'envie, tu soupires. Si je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux, et couvre-moi de l'avant et de celle si tu pleures avant. La neige de décembre, avant qu'une fane les fleurs, je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Ta peau toujours si blanche, au soleil va noircir. Des fruits sur cette branche au soleil vont mûrir. Et je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux, et couvre-moi de l'avant et de celle si tu pleures. Avant la neige de décembre, avant qu'une fane les fleurs, je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Ta peau n'est pas si jeune, elle connaît les adieux. Et sous un ciel d'automne, je ferme enfin les yeux. Et je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout. Alors laisse-moi ici, tout en haut du ventoux. Et couvre-moi de l'avant et de celle si tu pleures. Avant qu'une
ne fanent les fleurs. Mais si je meurs maintenant, je n'aurai jamais 20 ans. Les fleurs ne meurent pas vraiment, elles renaissent au printemps. Après le bel air frais du village sur glace, il n'y a vraiment rien de mieux que de se retrouver devant un chocolat chaud et friandises pour se redonner de la chaleur et de l'énergie. Puis les friandises, c'est pas n'importe quelle. Non, imaginez-vous qu'on est en train de déguster des bleuets enrobés de chocolat noir. Ils proviennent de la chocolaterie des Pères Trappistes de Dolbeau-Mistassini, située dans le haut du lac Saint-Jean. La chocolaterie des Pères Trappistes offre une vaste gamme de produits. C'est aussi un site touristique très agréable, très intéressant pour les personnes qui veulent en savoir davantage sur la fabrication du chocolat. Sais-tu, Rosalie, assise ici avec notre chocolat chaud, à une petite table, si on ajoutait de la musique, là, c'est comme si on se retrouvait dans un bistrot sympathique. Ou un petit coup pour se retrouver. Pour s'asseoir à une table. Prendre un chocolat ou un café. Si la musique d'un ancien tourne-disque se mettait à jouer. Peut-être qu'il se mettrait à danser. Mesdames et messieurs, du Collège d'Alma, dans la catégorie danse-création, le duo Les Gramophones avec Tristan Audet et Laurence Briand-Genet.
vous faire venir une carte postale, rien de mieux que l'ancien bureau de poste de Vage-Albert. Le bureau de poste et le logis du maître de poste font partie du patrimoine immobilier du Québec. En saison touristique, on peut même entrer à l'intérieur et aller jaser avec la commère du village. En effet, plusieurs lieux du village historique sont animés par des comédiens qui incarnent des personnages de l'époque. J'aimerais tellement ça jouer la maîtresse de poste. Ben, ah oui donc! Ben, le bonjour, Madame Gay! Faites assez beau aujourd'hui! Oui, Madame Lapierre, on est chanceuse, hein? Hey, vive à Vage-Albert, c'est quelque chose! Nos maisons puis nos rues sont éclairées au courant. Plus besoin de fanal à l'huile, ça sent bien meilleur dans nos maisons. Vous êtes venus chercher vos cartes postales? Oui, c'est rendu que j'en fais quasiment une collection. Ben, d'où ceux qui peuvent bien venir, celle-là? De mon ami Marcelin. Marcelin Ouellet. Il reste à Chicoutimi. Ah oui? Saviez-vous là, qu'à Chicoutimi, il y a une pulperie comme à Vage-Albert? Oui, c'est le même propriétaire, M. Dubuc. Qu'est-ce qu'il vous dit dans vos cartes postales, votre ami Marcelin? Il parle de caravane, de musique, de voyage. Il fait de la musique? Il s'est même inscrit à un concours. Il était sur le bord de chanter, là, il me contait ça. Puis là, il y a un monsieur qui a dit « Mesdames et messieurs, voici un chanteur, un musicien, il s'appelle Marcelin Ouellet. » Hey, j'aurais aimé ça, moi, être là pour entendre ça! J'ai posé question à la vie, mais la vie est bien mal faite. Demander réponse à Dieu, mais Dieu s'en est battu. Attendu signe du destin, mais le destin, il ne sait pas, non. J'ai regardé au loin les étoiles, mais au loin, je ne vois pas. Allumons une dernière cigarette avant les lueurs du matin, avant de s'écraser sous le bord de la route, car il fait bon dormir au soleil. Et puis c'est mes ravis de savoir que hier est déjà si loin, qu'on se réveille à l'apéro, mais que demain sera le chemin. Petit songe au crépuscule, quand les hautes lumières l'aveugleront, il aurait été bien seul sur la route, sans sa tête remplie de chansons. Une rumba pour ne pas arrêter de marcher, un tango pour recommencer à aimer, une balade pour se dire que tout ira bien, qu'on trouvera un foyer au loin sur le chemin. Allumons une dernière cigarette avant les lueurs du matin, avant de s'écraser sur le bord de la route, car il fait bon dormir au soleil. Épuisé mais ravi de savoir que hier est déjà si loin, qu'on se réveille à l'apéro, mais que demain sera le chemin. On a vu Lisbonne et on a vu Paris, sur les toits de midi à minuit. On a crié qu'on était libre. On a vu Barcelone et San José, jusqu'à ce que l'alcool emporte à discuter. On a chanté qu'on était loin. On dira salut à Marrakech, un autre petit sur la route s'allumera une dernière cigarette. Donc salut, salut, foule en délire, vous venez d'entendre une dernière pour la route. On va continuer avec la caravane, une petite chanson de voyage encore une fois. On va pas s'en sortir, là. Tanné de te faire demander ça va, car répondant on sait qu'on n'est-ce pas. Mais tu sais très bien qu'au fond le feu brûle en toi, les étincelles se rendent à tes yeux quelquefois. Je t'aurais passé ma guitare si tu savais t'en servir pour panser tes plaies. Je t'aurais fait l'amour comme on baise la mort, se réveiller triomphant à son chevet. On a troqué la caravane contre l'envie de partir, échanger la colère pour le refus d'obéir. Tanné de toujours foncer vers la vie, qu'un pas de plus c'est les ténèbres assurées.
Mais tu aimes si bien quand ton passé te fait mal et que ton futur vient te tourmenter. Quand tout soleil semble caché par les gratte-ciels, n'oublie jamais qu'il fait toujours tout doux chez moi. J'ai du potage, de la pépite au sangria et une oreille qui jamais n'oubliera. On a troqué la caravane contre l'envie de partir. Échanger la colère pour le refus d'obéir. Je t'aurais passé ma guitare ce fameux soir à ton travail rue Saint-Denis. Lorsqu'en toquant, le petit garçon du patron m'a dit que t'étais pas rentré depuis samedi. Je t'imagine traînant sur la route entre le Pérou et l'Argentine. Le monde est fait pour ne pas poser de questions. La musique sert quand il est temps de fuir. On a troqué la caravane contre l'envie de partir. Échanger la colère pour le refus d'obéir. On a troqué la caravane contre l'envie de partir. Échanger la colère pour le refus d'obéir. En chantant la liberté, on a fini par la tuer. En rêvant de la liberté, on finira par s'en aller. En vendant la caravane, on a pu s'acheter un voilier. Et en revendant le voilier, je t'achèterai une caravane. Fait qu'on va déjà enchaîner pour la dernière toune. Fait qu'on va encore une fois parler de voyage parce que c'est ça qui est cool, mais on va l'aborder d'une autre façon. Parce que tu sais, tu pars, tu fais la rumba, tu vois les copains-copines, tu prends de la bière. Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes un jour ou l'autre. Fait qu'il y a une petite tristesse qui s'installe. Puis comme ça me tente pas de vous rendre triste, je me suis dit, ah, on va apporter du réconfort, je vais ramener une couverture. On va être bien mieux comme ça, là. J'ai besoin d'une épaule de mouchoir et du noir pour pleurer, de copains, de whisky, de musique et de filles pour rire, je voudrais bien avoir la patience et le temps pour t'aimer, mais je préfère la fuite, les voyages, j'improvise pour survivre, un jour tes amis auront maison et enfants se coller tendrement pendant plus de 20 ans, se rappeler de Chicos qui partait troubadour, la guitare à la main, le temps ne coûtait rien. Petit guitariste sera chauve un jour sur son banc de Barcelone où la musique l'inspira, passera son chapeau pour payer ce repas, voyagera comme avant, mais avant c'était avant. Une bouteille à la main embrassant le soleil, gueulant des doux refrains, voir des yeux qui s'émerveillent, l'avenir appartient à ceux qui se couchent à l'eau, les gens croient que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et partent au boulot, se relèvent. Un jour tes amis auront Mustang et chalet, vivant ensemble tranquillement pendant plus de 40 ans. Regardez des photos où on voit qu'ils s'aiment, une vie simple et facile. J'ai envie, c'est mon secret. Si l'hiver est long, mais l'été si court, si on a tout laissé pour pas être en amour, c'est qu'on voulait partir. On pensait pas s'enfuir. On pensait savoir ce qu'on voulait pas. Mais j'ai comme l'impression que ça fait 10 ans que j'ai une gueule de bois. Souffres-tu une bière? On n'a toujours pas fini notre visite du zoo sauvage de Saint-Félicien. Il y a tellement de lieux et d'animaux à voir. Nous nous trouvons à un point d'observation pour l'habitat des tigres de l'amour. Les tigres de l'amour? Oui, avant on les appelait tigres de Sibérie. Mais maintenant qu'on les trouve seulement près du fleuve de l'amour entre la Russie et la Chine, on les appelle tigres de l'amour. En tout cas, c'est vraiment des animaux de toute beauté. Savais-tu qu'en Chine, dans les images anciennes, on représente assez souvent une déesse qui joue de la harpe avec un tigre. Symboliquement, c'est comme si la harpe avait le pouvoir d'apaiser nos émotions. C'est un instrument assez exotique. C'est rare qu'on voit quelqu'un en jouer. Mais moi, je connais quelqu'un qui joue de la harpe. Espérons qu'il soit capable d'apaiser le tigre de nos émotions. Dans la catégorie chant création du cégep de Jonquière, voici Félix Bédard.
Bonsoir à vous. Comme vos animatrices vous l'ont dit, je m'appelle Félix Bédard et ce soir, j'ai le bonheur de vous présenter deux de mes chansons. C'est deux chansons que j'ai écrites qui s'appellent Chanson 1 et Chanson 2. Certains disent que c'est parce que je suis lâche. Moi, je trouve que c'est un choix artistique et que je suis un visionnaire. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez apprécier mes tunes et je vous souhaite un bon numéro. Les mains au vent et le sourire aux lèvres, il mâche les mots en parlant de tous ses problèmes. Il lève son chapeau aux artistes et continue de marcher sur la piste de danse. Ah, 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 de danse. Le feu aux poudres que d'un coup il cherche la foudre dans son bazou. Il est en vacances toute l'année, mais chante pour avoir l'air de travailler sur un album. Photos en noir et blanc sont colorées à leur manière, cachées chez les gens, capturées par son œil de verre. Mais le feu aux poudres que d'un coup il avance. Alors voilà, c'était chanson 1. J'espère que vous avez eu du fun pendant. Si on se fie à la suite logique des événements, on est rendu à chanson 2. Parce qu'évidemment, là, cette bonne idée-là, elle se continue jusqu'à la deuxième toune. Profitez-en, c'est la dernière, après ça, il n'y en a plus. Donc, bonne toune, c'est chanson 2 pour vous maintenant. Dans la cuisine, en beau fusil, pour parler à tes parents, même si tes amis t'ont dit de laisser passer le temps. Tu cries comme un klaxon, puis tu sacres tes adieux. De trouver la solution, faire semblant d'être un monsieur, juste pour gratter ta guitare. T'appelle, mais c'est le répondeur qui va répondre, couché sur la mélamine, à se battre contre ton ombre. Ton horaire est libéré pour avoir le temps de rien faire. Tu cognes aux portes des fusées pour avoir le cœur dans les airs. Se décompose
perdu dans les ruelles du labyrinthe caché. Dans tes poèmes qui tachent le plancher. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée. Le Zoo sauvage de Saint-Félicien offre également un parcours aux visiteurs de renommée internationale. Il s'agit du parc des Sentiers de la Nature. C'est un endroit vaste et unique où les animaux vivent, pour ainsi dire, en liberté. Durant la balade de train d'environ une heure, les passagers ont la chance de voir des reconstitutions historiques sur le site. Nous sommes à l'endroit du parc des Sentiers de la Nature dédié aux wapitis. On retrouve dans les Sentiers de la Nature de grandes plaines et aussi des chaînes de montagnes. Te rappelles-tu, Émilie, de nos cours de géographie au secondaire? Oui, les chaînes de montagnes du Québec sont... Les Laurentides. Les Appalaches. Les Monts Chic-Choc. Les Monts Chic-Choc se situent... Dans le centre de la Gaspésie. Dans la vallée de la Matapédia. Ça veut dire que le Centre Matapédia d'études collégiales est situé dans un environnement naturel où la forêt et les paysages contribuent à inspirer les artistes. Leurs paroles et leur musique ont du chic et du choc. Dans la catégorie chant, musique, création du Centre Matapédien d'études collégiales, le groupe À vous de juger. Bonsoir, Alma Bécomo, Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Amkoui, Carleton, j'espère que vous allez bien. Prends le relais, OK. T'as du souffle? Alors, la première chanson, c'est une chanson qui nous représente beaucoup. Mais que malheureusement, c'est pas nous qui avions écrite. Donc, trois gars sur le sofa, si vous entendez ça, pouvez-vous nous la donner? On aimerait vraiment ça. On fait des spectacles jusqu'quand on a le temps. Parce quand on demande des congés, faut les reprendre en revenant. Malgré ce que tout le monde pense, c'est pas super payant. C'est pour ça qu'à chaque fin de tournée, on revend nos instruments. On va jamais dans les grands restaurants. On mange les crudités qui sont dans la loge. Quand on a une loge, pis qu'il y a des crudités dedans. On est tous musiciens, techniciens, chauffeurs et gérants. Fait que quand le show est plein, on est 12 à être contents. Autant par chambre d'hôtel, jamais certain d'avoir un rappel. Quand les gens nous demandent, votre groupe s'appelle comment? Après ils disent, ouais, me semble j'ai déjà entendu ça. Mais dans leur face on voit bien qu'ils ont jamais entendu ça. Après le spectacle, et s'il y a personne qui nous attend, on signe des autographes quand même pour se pratiquer en attendant. Auteur, compositeur, semi-professionnel, deux gars par chambre.
sel. De la bière gratis. Puis on a toujours ben une coupe d'admiratrice. Et si on voulait vraiment, on pourrait toucher à un Félix. J'ai du monde d'autres groupes qu'on connaît. Avec la situation actuelle, ben avant, on était des auteurs, compositeurs, interprètes, semi-professionnels qui n'étaient pas sûrs d'avoir de loge. Maintenant, on est des auteurs, compositeurs, interprètes, semi-professionnels qui ne sont pas sûrs d'avoir un spectacle, finalement. Hein? Donc, ça nous a inspiré une chanson et on est très, très contents de pouvoir vous la présenter ce soir. C'est notre dernière, c'est notre chouchou, c'est notre bébé. Alors, pour celle-ci, on vous invite à danser avec nous. Donc, levez-vous de votre divan, de votre chaise de bureau. De vos toilettes. Tu penses qu'il y en a vraiment qui nous écoutent aux toilettes? Ben là, c'est sûr. Content d'être avec vous pendant votre grosse commission. Ah ouais, mon loum, porte-nous ça. Notre soliste, Loum Boudreau. À la batterie, Frédéric Berthelot. Et à la baisse, Christophe Moquin. Finalement, la guitare, Vincent Gaudreau. J'ai pris au piège dans ma tanière. Je vois plus le dehors depuis des semaines. Pourtant, c'est comme si c'était hier. La liberté était première. Pour moi, la musique, c'est une passion, c'est une religion, c'est une addiction. Pis là, ma baisse prend la pierre. Un voyage plus et tout de travers. J'ennuie des gens, j'ennuie du monde. J'ennuie de chanter, j'ennuie de pouvoir. J'ennuie des gens, j'ennuie du monde. J'ennuie de chanter, j'ennuie de pouvoir. J'avance comme le désespoir. Vous raconter nos petits bonheurs, nos petits malheurs, nos trips de gang pis nos horreurs. Le stage c'est notre deuxième maison, on s'y sent comme dans notre salon. Sauf qu'au lieu de jouer devant un murlet, c'est devant un public vraiment chouette. Solo! J'ai pris au piège dans ma tanière. Pour la première fois, je regardais. C'est le temps de sortir de cette galère. Je prends ma baisse et puis je sors. À vous de juger, pas du service. On va pratiquer dans le sous-sol à Vince. Pour se préparer à vous chanter nos bons textes fuckés. J'ennuie des gens.
jamais, je m'ennuie de pouvoir. On s'ennuie déjà, on s'ennuie du monde. On s'ennuie jamais, on s'ennuie de pouvoir. On veut vous raconter nos histoires. Nos histoires. Merci tout le monde, nous étions à vous juger. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez nous suivre sur Facebook et voter pour notre numéro. Merci, bonne fin de spectacle tout le monde. Merci. Nous nous trouvons actuellement à la Marina de Roberval, ville située non loin de Saint-Félicien. La Marina de Roberval se distingue pour ses nombreux îlots d'amarrage, un terrain de jeu très vaste, et une zone de restauration, dont la crèmerie, qui est très appréciée et très fréquentée durant les beaux jours de soleil. C'est un lieu paisible où on vient en famille pour prendre une marche et admirer le beau bleu du lac Saint-Jean. En période hors saison, les bateaux et les voiliers sont en attente du retour du printemps. La date de départ des glaces du lac Saint-Jean crée tout un événement. Au printemps, les eaux se libèrent et laissent place à la navigation. Au printemps, dans les cégeps, les mots se libèrent et laissent place à l'imagination. Ce spectacle track en est la preuve. Oui. Le printemps et la navigation maritime vont de pair à la Marina de Roberval. Tout comme ils vont de pair à l'Institut maritime de Rimouski. En effet, l'étudiante provenant de cette institution collégiale nous offre deux interprétations. Mesdames et messieurs, voici Marie-Audrey Letourneau. Bonsoir, aujourd'hui je vais vous interpréter Crazy de Jesse Reyes. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. Love me as long as you want to. And then someday you leave me for somebody new. Les grands tibis bornant le lac Saint-Jean dans la communauté Innu de Macheteyat. Ces quatre sculptures représentent chacune une saison et quatre activités traditionnelles. Sous chacun des tibis, on retrouve un plus petit monument où sont installées des plaques descriptives de chaque activité ancestrale. La première nation de Macheteyat fait partie de la nation Innu, aussi appelée nation montagnaise. Située entre Roberval et Saint-Félicien, la communauté déborde de richesses culturelles.
ne serait-ce que la langue qui a baptisé Pequagami, le lac Saint-Jean, qui signifie lac plat. Mashtiyas signifie là où il y a une pointe, c'est-à-dire une avancée de terre dans le lac Saint-Jean. Cette pointe fut longtemps utilisée par la nation pour des rassemblements. Le territoire québécois est riche de mots provenant des Premières Nations. Rimouski, par exemple, cégep où plusieurs étudiants ont fait de la musique un lieu de rassemblement. En effet, pas moins de 13 artistes ont uni leurs talents pour présenter le numéro de ce soir. Mesdames et messieurs, dans la catégorie chant, création, interprétation, voici le groupe du cégep de Rimouski, Jazz Pop. Bonsoir à vous, c'est avec plaisir que je vous présente le groupe de musique Jazz Pop du cégep de Rimouski. Flesh and steel are one, drawing the color of evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. On and on, the rain will fall. On and on, the rain will fall. Perhaps this kind of life was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, nothing ever could. For all those bars beneath an angry star, let's we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are. Something in our minds will always stay.
Bonsoir à vous, tous les amis des cégeps de l'Est du Québec, qui se sont branchés sur TRAC, les talents révélés au cégep. C'est avec ces superbes images, captées au cégep de Rimouski pour l'ensemble Jazz Pop, que se termine la diffusion des 11 numéros provenant des 11 institutions collégiales participantes. Mais la soirée n'est pas terminée. Encore quelques minutes pour procéder au vote des spectateurs en ligne et des deux prix coup de cœur sélectionnés par le public. Nous avons visité plusieurs lieux d'intérêt aux alentours du cégep de Saint-Félicien, qui est hôte et diffuseur de ce spectacle. Et nous nous retrouvons maintenant, en direct, à notre salle de spectacle à Saint-Félicien. Alors me revoici, je suis Émilie Lapierre, étudiante de première année dans le programme Arts, Lettres et Communication au cégep de Saint-Félicien. Et je suis Rosalie Gué, également étudiante de première année au cégep de Saint-Félicien en Arts, Lettres et Communication. Nous espérons que ce spectacle vous a plu. Nous tenons à féliciter tous les participants des 11 cégeps pour leur superbe numéro. Félicitations également aux équipes d'opérateurs caméra qui ont participé à la captation des numéros. Nous vous rappelons que parmi les numéros qui ont participé à cet événement TRAC, deux d'entre eux courent la chance de remporter les deux prix coup de cœur d'une valeur de 550 $ chacun. Mesdames et messieurs, spectateurs en ligne, voici venu le moment d'intercommunication à travers l'Est du Québec, de vos émotions et de vos préférences. Il est maintenant temps de passer au vote. Pour voter, la marche à suivre est assez simple. Il suffit de suivre le lien dans la section commentaires sur la plateforme Twitch. Cela va vous diriger au sondage, c'est-à-dire au vote. Vous devrez voter pour un numéro parmi les participants de l'événement. Un seul vote par personne est possible. À partir de maintenant, vous disposez de 15 minutes pour voter. En attendant la compilation des votes, c'est avec plaisir que nous vous présentons un numéro hors concours. Le musicien que vous allez entendre a participé à deux reprises à la finale locale de Cégep en spectacle à Saint-Félicien. Il a d'ailleurs remporté la première position à l'une de ses finales locales et a représenté le Cégep de Saint-Félicien à la finale régionale de l'Est du Québec, présentée par le Cégep de Rimouski au printemps 2019. Certains disent de lui qu'il est un pirate et d'autres le qualifieraient plutôt de poète engagé. Cependant, tous s'entendent sur la force musicale de ce compositeur passionné. Mesdames et messieurs, voici Alex Dufresne.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment électrisé d'être là ce soir. Je voulais me permettre de prononcer quelques mots, bien que mon objectif soit de vous jouer plus de musique possible dans le temps qui m'est imparti. Je tenais à dire un gros merci au Cégep de Saint-Félicien qui a déployé tellement de ressources afin de valoriser les talents des différents artistes que vous avez vus ce soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section clavardage de l'événement. On veut vous lire, on veut savoir ce que vous en avez pensé. Pour terminer, je tenais à mentionner en fait que la liste de chansons que je vous interprète ce soir est un écho direct aux nombreuses vagues d'émotions qu'on a vécues dans l'année. Sans tomber dans le lourd, on a vécu des hauts, on a vécu des bas. Ce soir, mon intention, c'est de rejoindre les deux bouts, vous offrir des chansons vivantes, colorées, puis nous donner l'occasion de triper notre fou. Merci beaucoup. Thank you.
Merci beaucoup. La prochaine chanson que je vais vous chanter, en fait, la seule que je vais vous chanter, le restant est instrumental, s'appelle « Sable noir ». Merci beaucoup. Pieds sur la terre et la tête à l'envers. Le temps marche-t-il sur moi ou serait-ce mes propres pas? Martelant le rythme d'une cadence effrénée, inconstante et sourde, sans cesse répétée. Le corps lacéré défine l'âme du passé, alourdi d'un ancre inerte enfoui dans le sable noir. Enfoui dans le sable noir. L'horizon s'obscurcit de bourrasques de tempête. L'océan s'agite et m'appelle au gré des quatre vents. La tumulte m'arrache des délices de la rage. Du rivage, l'orage m'amène à prendre le large. Le sable m'enlise et le temps m'accable. Du courage foncé au travers des fables. Le courage foncé au travers des fables. Merci beaucoup. Donc, je crois que j'ai le temps de vous en faire une dernière. Donc, je vais vous faire un petit trad des Balkans qui s'appelle Odyssée bulgare, pour ceux qui la connaissent. Thank you.
beaucoup. Est-ce que tu peux en faire une autre? Merci! On en va encore! Ah, oh, encore! Oui, oui. Oh, ouais! Ok, ok, allons-y devant! Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Thank you.
Merci beaucoup, Alex. Les résultats des votes en ligne sont maintenant comptabilisés et nous apprêtons à connaître les deux gagnants des prix Coup de cœur. Nous invitons donc Mme Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, à monter sur scène et à nous annoncer les gagnants. Mme Prescott. Quelle belle soirée! Vraiment, je suis peut-être moi aussi électrisée, on va dire. Écoutez, bonsoir. Là, maintenant, nous sommes en direct. Bonsoir, chers étudiants, amis, parents. J'ai une enveloppe avec moi ce soir pour les coups de cœur, mais peut-être juste avant vous dire que je suis face à 11 gagnants. Mais je vais dire plus que 11 gagnants, 11 équipes gagnantes. Je vais vous dire que j'ai passé une très, très belle soirée. Mais tout ça, bien entendu, une soirée comme ça, on a des équipes en arrière. Donc, on a deux excellentes animatrices qui sont avec nous, qui ont été avec nous dans cette belle aventure. Merci beaucoup. On a également des équipes extraordinaires. On a une équipe, je vous disais, au tout début de la soirée, on a une équipe du Cégep de Saint-Félicien qui, nos étudiantes en tourisme, donc qui ont travaillé très, très fort. On a toute l'équipe aussi, la vie étudiante, la technicienne en audiovisuel aussi, les enseignants. On a également un enseignant en littérature qui travaille très, très fort. Donc, et vous tous au Québec qui ont travaillé pour nous amener tous ces beaux spectacles-là ce soir. Donc, merci beaucoup. Donc, roulement de tambour. Donc, nos deux coups de cœur, nous avons Mme Éliane Dallaire du Cégep de Saint-Félicien. Donc, bravo, Mme Dallaire. Et nous avons également Jazz Pop du Cégep de Rimouski. Et là, je vais vous dire les noms. Donc, Isaac Gagné, Anthony Gérard, Olivier Lebrun, Pris Legui, Élise Lepage, Sofiane Massé, Julie-Maxime Ouellette, Alice Plourde, Clovis Rioux, Étienne Ross, Gabriel Saint-Pierre, Jérôme Savard et Benjamin Sicard. Donc, bravo à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Félicitations aux gagnants. Nous vous invitons maintenant, les spectateurs en ligne, à nous faire part de votre appréciation face à cet événement TRAC, talent révélé au Cégep par le Cégep de Saint-Félicien. Oui, alors nous vous invitons à répondre à quelques questions dans la section commentaires Twitch ou encore sur la page Facebook de l'événement TRAC du Cégep de Saint-Félicien. Tous vos commentaires seront les bienvenus. C'est au terme de cette diffusion en direct de la salle Azimut de Saint-Félicien que nous remercions les participants et les organisateurs de cette soirée. Les artistes, les opérateurs caméra, les éclairagistes, les sonorisateurs, les animateurs socioculturels, bref, tous nos amis des cégeps de l'Est du Québec qui ont contribué à ce spectacle. Alors, nous vous disons, portez-vous bien, n'ayez pas trop le trac et on vous dit au revoir.